Bonjour et bienvenue à Il & Co, version numéro 2, puisque nous avons déménagé il y a maintenant 2 ans et nous retrouvons désormais à l'ancienne école maternelle de Douzillac. C'est là que nous avons établi notre tiers-lieu. Et donc, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? C'est tout le but de cette vidéo, de vous montrer l'envers du décor. Et donc maintenant, je vous propose de rentrer, et c'est par là que ça se passe. Et donc, dans notre tiers-lieu, une des premières choses, c'est qu'on travaille. Pour travailler, on a un espace de travail partagé avec, entre autres, des salariés. Ici, les animateurs de la coopérative jeunesse, par exemple, mais également des coworkers, c'est-à-dire des indépendants ou des personnes qui sont en télétravail. Donc, ils peuvent bosser sur tout ce qui est Internet, comme on peut le voir ici même. On a également Sarah qui a son bureau et qui fait du transport frigorifique. Ça va, Sarah? Ça va. Mais donc, on a également des salariés qui coordonnent notre action, puisque nous sommes espace de vie sociale. Et donc, pour ça, on a Natacha, qui est la coordinatrice de l'association, qui va accompagner les habitants dans le montage de projets qui peuvent concerner autant des questions alimentaires, comme on a l'affiche ici, des questions autour de la culture ou de solidarité. Mais également, un autre service qu'on propose en journée, c'est des ateliers numériques ou de la médiation numérique avec, entre autres, Frédéric, notre conseiller numérique, qui peut faire de l'aide administrative, etc. Ça va chez vous? Ah, pardon. Continuons donc notre petit tour. Voilà, donc nous, notre intention, c'est de faire mélanger les publics. Vous avez vu les jeunes, les citoyens, les travailleurs, et donc nous avons tout un tas de démarches, d'outils pour accompagner les habitants. C'est un lieu d'accueil inconditionnel. Donc là, vous voyez des temps d'échange entre participants. Mais c'est quand même aussi un lieu de détente, en fait. C'est ouvrir un espace pour que les jeunes puissent, par exemple, se retrouver, faire des choses ensemble sans grande prétention. Bon, on était interdit de rentrer, mais je pense qu'on va quand même essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Et donc, parce que Il & Co, on a aussi des ressources, des choses à vous proposer, avec par exemple une station de montage, donc, où on peut réaliser toutes sortes de vidéos, si vous le souhaitez. On a également des jeux de société. Société nous occupe souvent les mercredis des vacances avec les jeunes, et après on a également un spot pour se détendre, discuter tranquillement de façon informelle. Et maintenant on va aller voir et bien ce qui nous réunit assez souvent, la bouffe. Et c'est donc en cuisine que se termine notre voyage, puisque c'est là qu'on va réaliser les repas pour les ateliers, les repas proposés par les jeunes. Et à la fin, eh bien sûr, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est là qu'on va dans un autre de nos tiers-lieux qu'on découvrira une autre fois, notre jardin du partage. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Allez, ciao !